Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien, d'accord, par la grâce de Dieu. Comme vous le savez déjà, c'est toujours votre professeur Le Gosso. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous donner une astuce très puissante et naturelle et sans effet secondaire. C'est une astuce qui est très puissante et naturelle. Comment augmenter la taille du troisième pied? Comment augmenter l'épaisseur du troisième pied sans effet secondaire, sans inconvénient? Voilà, c'est une astuce qui est très puissante et naturelle. Et c'est conseillé pour tout le monde. Ça n'a même pas des effets secondaires. Comment augmenter la taille du troisième pied? Comment augmenter l'épaisseur du troisième pied sans effet secondaire? Regardez bien la vidéo. Faites chercher ceci. J'espère que tout le monde connaît ceci. Abadé, du maïs, un bout de maïs comme ça. Regardez bien la vidéo. En plus, vous cherchez deux petits collards à rouer en fond. Enfant, son nom, c'est Aroué, enfant. Deux petits collards. En plus, vous cherchez le kijiri africain. Enfant, on l'appelle Nyambliko. Pardon. Nyambliko, enfant. Son vrai nom, c'est le kijiri africain. Voilà. Si c'est plus, ça devient comme ça. C'est pour cela que j'ai augmenté ceci. Si ce n'est pas encore cuit, c'est comme ça, ça reste. Voilà. Mais si c'est cuit, ça devient comme ça. Donc, vous cherchez le kijiri africain en plus. Le maïs, en plus, et les deux petits collards comme ça. Après avoir cherché ces éléments, veuillez me contacter, veuillez m'écrire dans les commentaires pour la suite, pour ceux qui sont dans le besoin. C'est une astuce qui est très puissante et naturelle. Ça n'a même pas des effets secondaires, ça n'a pas des inconvénients. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Veuillez liker la vidéo et aimer et partager. Voilà. Merci.